Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. De part de ce journal, la teneur de ce message du président de transition, président de la République, chef de l'État, adressé à son Excellence Monsieur Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, président élu de la République fédérale du Nigeria. Le message est libellé comme suit, Monsieur le Président. C'est avec un réel enthousiasme que j'ai suivi l'annonce des résultats des élections présidentielles du 28 février 2023 que vous avez remportées avec succès. Au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom propre, je vous adresse mes vives et chaleureuses félicitations et mes souhaits de pleine réussite dans l'exercice de vos hautes et nobles fonctions. La confiance que le peuple nigérian vient de vous placer couronne votre engagement au service de votre beau pays et constitue un vibrant hommage rendu à vos grandes qualités d'homme d'État. Le peuple tchadien et moi-même voudrions vous rassurer de notre engagement à raffermir davantage les excellentes relations bilatérales séculaires qui existent entre nos deux États et vous réaffirmons notre ferme volonté d'œuvrer de concert avec vous à leur consolidation et à leur resserrement au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères. En vous réitérant toutes mes félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération. Le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, président de la République, chef de l'État. En marche du sommet One Forest Summit, le Premier ministre de transition, chef du gouvernement Salih Keita, a accordé une audience au directeur général du Fonds pour l'environnement mondial FEM, Carlos Manuel Rodriguez. La situation du changement climatique et l'accès aux fonds dédiés à l'environnement ont été les principaux sujets évoqués au cours de cette audience. Hamid Komi. Carlos Manuel Rodriguez, directeur général du Fonds pour l'environnement mondial FEM, séjourna à Libreville à l'occasion du sommet One Forest Summit, a été reçu en audience par le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement Salih Keita. Le Tchad est l'un des pays de la bande sahélienne fortement frappé par le changement climatique. L'un des effets manifestes de ce changement climatique est l'inondation de septembre-octobre 2022, détruisant plus de 100 000 hectares de cultures vivrières et faisant tomber bon nombre de maisons, laissant ainsi plusieurs milliers de ménages sans habitation. Le Premier ministre Salih Keita a exposé avec détail que le Tchad est non seulement victime du dérèglement climatique, mais notre pays a surtout besoin d'appui gigantesque demeurer un rempart face à ce phénomène aux multiples enjeux et des menaces directes sur l'humanité. Le chef du gouvernement a sollicité avec insistance que le Tchad accède au Fonds mondial pour la sauvegarde de l'environnement. Déjà suite aux inondations de cette année, plusieurs populations tchadiennes sont exposées à la famine. Pour le Premier ministre Salih Keita, son gouvernement travaille pour constituer un stock de produits vivriers en vue d'aider la population à combler ses besoins alimentaires. Une sollicitation qui a reçu un écho favorable auprès de Carlos Manuel Rodriguez. L'objectif de cette rencontre, c'est d'échanger avec le Tchad comme pays sur la relation et l'accès au fonds environnemental mondial, sur des projets concernant l'énergie, concernant la protection de la biodiversité, dont les animaux sauvages, et aussi sur les lacs Tchad, dont les femmes travaillent déjà. Le Tchad peut attendre du Fonds environnemental mondial la réhabilité des ressources financières pour lutter contre les changements climatiques, pour protéger la biodiversité, pour l'insécurité alimentaire, mais aussi pour... l'énergie renouvelable. L'accès au FEM, Fonds pour l'environnement mondial, est complexe tant par ses conditionnalités que par son mécanisme de décaissement. Comment le Tchad doit faire pour accéder à ce fonds, s'est interrogé le Premier ministre de Transition, Salih Keita. Carlos Manuel Rodriguez entend effectuer une visite au Tchad dans les prochaines semaines afin de discuter avec le gouvernement d'une part sur les conditionnalités d'accès au Fonds pour l'environnement mondial et raffermir les rapports entre le Tchad et son institution d'autre part. En marge du sommet de Libreville, des dirigeants qui placent le bien-être de leur population au-dessus de toute considération entreprennent des démarches et nouent des relations bénéfiques pour leurs ressortissants. Le Premier ministre Salih Keita s'inscrit dans cette ligne.
Le comité ad hoc chargé de rédiger les textes permettant la mise en place du cadre national de concertation de partis politiques a restitué ses travaux aux chefs et secrétaires généraux de partis politiques. L'équipe de 11 membres dirigée par le Premier ministre de Transition a présenté à l'assistance le projet de protocole d'accord de partis politiques pour le suivi et la mise en œuvre des résolutions et recommandations du DENIS. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Bonne Gouvernance, Liman Mamad, représentant le chef du gouvernement qui a présidé la séance. Mohamed Moussaba, Mchaïb. Le gouvernement d'Union nationale de transition fait de la mise en œuvre des actes du dialogue national inclusif et souverain DENIS un souci permanent. C'est dans cette optique qu'un comité ad hoc chargé de rédiger les textes permettant la mise en place du cadre national de concertation des partis politiques CNCP a vu le jour, lequel cadre est dirigé par le Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo. Le comité s'est réuni en séance de travail avec les partis politiques pour la restitution de la mission qui lui a été assignée. Il s'agit du protocole d'accord des partis politiques pour le suivi et la mise en œuvre des conclusions du DENIS et l'exposé des motifs permettant la mise en place du nouveau cadre national les concertations des partis politiques CNCP. Selon l'esprit de l'exposé des motifs, le futur CNCP sera un organe indépendant administrativement et financièrement, libre dans ses décisions, mais fonctionne sous l'égide de la loi. Ce nouveau cadre de concertation politique composé de 51 membres dispose de 3 organes. Il s'agit de l'Assemblée générale, de la coordination des partis politiques et d'un bureau de coordination de 13 personnes. En vue de la réussite de la transition en cours, le ministre de l'Administration des Territoires et de la Bonne Gouvernance, Liman Mohamed, représentant le Premier ministre Saleh Kebzabo, par ailleurs président du comité ad hoc, a invité les présidents et secrétaires généraux des partis politiques à s'investir. Car, poursuit-il, le retour à l'ordre constitutionnel dépend naturellement de l'implication des tous les citoyens dans le délai imparti. Bon nombre de présidents et représentants des partis politiques ont fait des observations et propositions allant dans le sens de l'amélioration des textes permettant la mise en place du nouveau cadre de concertation des partis politiques. Le comité ad hoc, par l'entremise du représentant de son président, a pris en compte les différentes observations en vue de la mise en forme de ces textes. Félicitant l'assistance, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Bonne Gouvernance a levé la séance dans le but de se retrouver le 7 mars prochain. La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Abina Brice Long, a accordé ce matin audience à une délégation de la Banque africaine de développement conduite par le représentant résident Ali Lamine Zeyn, une rencontre en pleine semaine nationale de la femme tchadienne pour échanger sur la question de l'éducation et la scolarisation des filles. Thomas Mandjali. Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2023, le ministère du Genre et de la Solidarité nationale en mode open pour multiplier les opportunités en faveur des filles et femmes. La chef du département, Amina Prissi Longo, amène son agenda du jour pour une rencontre avec la délégation de la Banque africaine de développement. Visite qui a pour fil conducteur le réchauffement du climat de coopération dans le domaine du genre. Un état des lieux sur l'éducation et la scolarisation des filles. Je suis accompagné de nos experts qui s'occupent de l'éducation des filles, alphabétisation des femmes. Tous les projets de la banque exigent que nous tenions compte de la question du genre. Il était de bon aloi que nous venions rendre compte à la ministre, prendre un peu ses orientations pour mieux fixer les objectifs qui sont dans nos différents projets, pour donner une meilleure chance de l'exécution au profit des populations. Une demi-heure d'échange et voilà que les idées se sont accordées pour mettre la question du genre, en particulier celle des femmes, au cœur de leurs actions communes. Occasion pour le représentant pays de la BAD de réitérer le soutien de son institution pour un accomplissement sans faille des projets relatifs à cette couche sociale. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, par le biais de l'unité de mise en œuvre du cadre intégré renforcé du Tchad, a organisé ce matin un atelier sur les défis communs en matière de normes et de réglementation technique dans les échanges commerciaux. C'est la ministre Walid Dom Robertine qui a présidé la cérémonie. Ibrahim Abdoulaye Wardkou. Le ministère de l'Industrie et du Commerce fait de l'amélioration des climats des affaires au Tchad son cheval de bataille. Ceci passe essentiellement par l'application efficiente des textes juridiques en vigueur. C'est dans cette logique que le présent atelier vient à point nommé. Son objectif principal est d'améliorer les cadres normatifs et réglementaires des échanges commerciaux au Tchad en vue de garantir et sécuriser la qualité des produits et services. Le Tchad a l'obligation d'élaborer un cadre réglementaire approprié conformément à ses engagements pris au niveau continental
ou internationale. Les normes et les réglementations techniques sont efficaces pour assurer la sécurité des producteurs et des consommateurs. Au cours de ces assises, les participants seront amenés à identifier les défis communs dans les domaines de la normalisation et de la réglementation technique et d'envisager par la même occasion des mesures correctives nécessaires à l'amélioration de l'environnement commercial au Tchad. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Wanle Dom Robertine, exhorte les intervenants à être attentifs et assidus pendant les travaux afin de mener des réflexions approfondies. À Sahara, où elle prend part à la Sénafed, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Énergie chargée de l'indépendance énergétique, Ramotou Mamadou Touaing, s'est rendue hier à la centrale électrique de cette ville pour s'imprégner des conditions de travail des agents. Ayat Naswad. Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme, édition 2023 à Sahara, la chef du département de l'énergie profite de son séjour en effectuant une visite de travail à la centrale électrique pour constater et se frotter à la réalité de terrain. Elle est accompagnée du gouverneur de la province du Moyen-Chari et ses collègues où une présentation a été faite par le technicien. S'en est suivi le tour des installations électriques. Ramatou Mohamed Routouin cherche des solutions afin de résoudre le problème du délestage dans la ville verte. Il y a des questions de maintenance, la question de la planification, les questions de la centralisation de la décision. Ça impacte l'efficacité sur le terrain. La question énergétique est une priorité pour le président de la transition. La question énergétique est une priorité pour le gouvernement, est une priorité pour le Conseil national de transition. Donc nous voudrons les rassurer que tout ce qui est en train de se dire dans ce domaine-là, ça mobilise et ça interpelle tout le monde. Cette visite de travail annonce de belles perspectives en termes d'énergie. En termes de résolution du problème d'électricité, elle rassure la population des Sahars que la ville verte sera l'Eldorado du Tchad dans le domaine électrique. Le ministre des Armées, le général Daoudia Ibrahim, et le chef d'état-major général des Armées, Abakar Abdelkrim Daoud, accompagnés de leur staff, sont allés compatir avec l'ambassadeur de Turquie au Tchad suite au drame qui a frappé ce pays ami. Idriss Moudetris. Durement éprouvé par le séisme, la Turquie a perdu presque une trentaine de milliers de personnes. Cette situation de catastrophe a navré toute l'humanité. Raison pour laquelle le ministre des Armées, le général Daoudia Ibrahim, et le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkrim Daoud, sont venus compatir avec l'ambassadeur de la Turquie au Tchad. Autour de la table, la délégation militaire a présenté ses condoléances à la famille éprouvée et a exprimé sa compassion au gouvernement et au peuple turc frappé par ce désastre qui a endeuillé des milliers de familles. À travers ce rituel, le chef de la délégation militaire a manifesté sa solidarité au nom de toutes les armées du Tchad. Toute l'armée du Tchad et les forces de défense et de sécurité assistent avec douleur la catastrophe du séisme qui s'est passé le 6 février en Turquie. Et nous compatissons avec les victimes et nous demandons Dieu qu'ils soient, que leur âme repose en paix et un prompt rétablissement à tous ceux qui sont victimes blessées aujourd'hui couchés dans les hôpitaux de la Turquie et ensuite à cette époque. Tradition tchadienne oblige. Le ministre des Armées, le général Daoudia Ibrahim, a offert 200 têtes de mouton aux familles turques éprouvées par cette circonstance. Un geste pour exprimer l'attachement des armées aux victimes. L'ambassadeur turc au Tchad, Kamel Kaysizis, s'est réjoui de cette visite qui, selon lui, consolide les relations entre le peuple tchadien et turc qui partagent leur peine à toutes les circonstances. Des éléments du FACT viennent de regagner le Berkay. Ils ont été accueillis par le gouverneur de la province du Kanem, Issa Hassan Djokoué. Oumar Warou. Une trentaine d'éléments des ex-combattants du FACT, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, aux abords de quatre véhicules qui ont regagné le pays. Dès leur arrivée, ils sont accueillis à bras ouverts dans la ville de Mao par les autorités locales. Ces derniers ont regagné le territoire tchadien en provenance de la Libye. Ce retour s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture
de la réconciliation nationale et du dialogue national inclusif et souverain prôné par le président de transition, général Mahamat Idriss Déby. D'après le leader de ces ralliés, Ousmane Mamad Tahir, le présent ralliement entre dans le cadre de la ferme intention de consolider la paix, la sécurité, le vivre ensemble et la stabilité au Tchad. Il invite ceux qui traînent encore les pas de déposer les armes et regagner le bercail en vue de la refondation d'un Tchad solidaire, uni et égalitaire. Ousmane Mamad Tahir a ainsi justifié leur engagement et détermination à bâtir notre pays dans la paix et la réconciliation nationale. Le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Djogoy, a salué l'initiative de ses ex-combattants du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad avant de reconnaître que la politique du gouvernement d'union nationale continue d'apporter ses fruits en permettant à plusieurs compatriotes de regagner le bercail. Ils ont opté pour la paix. Et nous aussi, nous voulons que la paix règne. Et ça, c'est la politique du chef de l'État, son Excellence, président Mahamat Idriss Déby. Le gouverneur Issaka Hassan Djogoy a lancé un appel pressant aux autres compatriotes qui hésitent encore à saisir cette opportunité offerte par le chef de l'État. Le gouverneur de la province du Chariba Guirmia présidé une rencontre entre le comité de gestion de 5% de revenus pétroliers alloués à la zone productrice et les jeunes de 4 départements de la dite province. Boussouki Guéferma. Trouver une solution idoine et pérenne à la crise qui divise les fils du terroir, c'est l'objectif principal de cette rencontre qui a regroupé l'actuel comité de gestion de 5% des revenus pétroliers affectés à la zone productrice et les jeunes de 4 départements que compte la province du Chariba Guirmia. Soucieux de l'avenir de cette zone productrice de pétrole, le gouverneur de la province du Chariba Guirmia, Ahmad Abdallah Fadoul, a pris l'initiative de voir les deux parties se réconcilier et travailler en symbiose. Celui-ci a plaidé pour une cordiale entente pour mieux gérer les 5% des revenus pétroliers alloués à la province du Chariba Guirmia. Pour lui, le développement de sa circonscription repose entièrement sur ses revenus. Une occasion pour lui d'inviter les ressortissants à plus de synergies d'action pour le rayonnement de leur province. Les jeunes, par la voix de leur représentant Youssouf Mohamed Moumine, saluent l'acte posé par le gouverneur. Toutefois, ils égrènent un chapelet de doléances pour permettre d'absorber les jeunes sur le marché de l'emploi et la prise en charge socio-sanitaire de la population vivant dans cette partie du pays. Il s'agit entre autres de l'éducation des enfants, du renforcement des capacités des enseignants, de la construction des infrastructures sanitaires et scolaires dans les 4 départements de la dite province. Le président du comité de gestion de 5% des revenus pétroliers, Bang Hadji Ouli Mahamad Youssouf, par ailleurs sultan de Baguirmi, réitère son engagement et sa détermination et rassure l'opinion de la gestion rationnelle transparente des ressources affectées à la province productrice. Il s'est dit ouvert à tous et sollicite une franche collaboration pour la réussite du mandat de 3 ans renouvelable. Les travaux de la 5e conférence du gouverneur sont restitués par le gouverneur de la province de Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam. Le point avec Mohamed Abdelbanat. Placé sous le patronage du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itnou, la 5e édition de la conférence du gouverneur a eu lieu du 3 au 5 février 2023 en Ndjamena. Le chef des unités administratives face au défi de la refondation d'un Tchad réconcilié et uni, c'est le thème de cette assise qui a regroupé les 23 gouverneurs des provinces. Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a initié cette rencontre pour réciter à la population les points essentiels débattus en plénière et les diverses présentations qui consacrent une grande partie à la question de la bonne gouvernance administrative et d'autres importantes thématiques énumérées ici par le premier responsable de la province. Les nouvelles approches exigent des comportements nouveaux. La gestion axée sur les résultats de transparence, la visibilité dans vos actions, la promotion des bonnes pratiques et des valeurs, la communication en temps réel des données factuelles. Il lance un appel à l'endroit de la population pour un soutien agissant en faveur des institutions de la République. Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Eldjim Abdramane, poursuit sa série de visites et prises de contact dans les services déconcentrés de l'État. Objectif, s'imprégner des conditions de travail de ces derniers. Eric Guedi.
été question pour l'administratrice de la province de la Tondjili, Eldjima Abdraman, de venir toucher du doigt les réalités de travail des agents de ses services. L'Office national pour la promotion de l'emploi, l'Institut national supérieur des sciences agronomiques et des technologies agroalimentaires de l'AI, le CFTP, le lycée collège Saint-Jean 23, la délégation de l'agriculture et l'ANADER sont les services visités par la gouverneure. Partout où elle est passée, les différents chefs de service ont énuméré les difficultés que rencontrent leurs services, notamment manque de moyens roulants, un obstacle pour le suivi des agents sur le terrain, le sous-effectif des agents, manque des infrastructures devant abriter les services déconcentrés de l'État et l'absentéisme de certains agents. S'agissant des agents absents à leur poste, la première autorité de la province de la Tondjili, Eldjima Abdraman, a donné des fermes instructions aux chefs de service de prendre leurs responsabilités en main en relevant tous les noms des absents sur le terrain. On ne peut pas refonder le Tchad avec des paresseux, moins encore des déserteurs, a-t-elle martelé. Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19, le gouverneur de la province de Borkou, Ali Maïdi Kabir, a tenu une réunion de plaidoyer. Tous les acteurs ont été conviés. Abdallah Djamil. À travers un plan notifié et détaillé de mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la COVID-19, s'est tenu sous la présidence du gouverneur de la province du Borkou, Ali Maïdé Kébir, une réunion de plaidoyer de la campagne de vaccination contre la COVID-19 deuxième tour dans la province du Borkou qui se déroulera du 3 au 12 mars 2023. Prévenir mieux que guérir. Le délégué provincial de la santé, Dr Salé Kouri, et le directeur général de la planification et de la coopération du ministère de la santé publique, Dr Mamad Zene Youssouf, venus pour la circonstance, se sont relayés pour situer l'importance et l'efficacité du vaccin et présenter les stratégies optées afin de couvrir l'ensemble de la population cible estimée à 42 528 âmes, avec un déploiement de 104 agents vaccinataires. Le gouverneur de la province du Borkou, Ali Maïdé Kébir, a d'abord remercié très sincèrement les plus hautes autorités du pays, les partenaires et le ministère de la Santé publique, soucieux du bien-être de la population, avant d'exhorter les leaders d'opinion de s'impliquer activement pour sensibiliser la population du Borkou en général, afin que cette campagne réussisse dans la province du Borkou. Dans la province d'Ouadiar, la mise le gouverneur Amat Al-Khoudar Ali-Fadel a présidé hier deux réunions de plaidoyer en vue de la campagne de vaccination contre la COVID-19 et l'autre sur le bon déroulement de la Sénafed. Mohamed Omar Moursal. À quelques heures du lancement officiel des campagnes de vaccination contre le COVID-19 à Hadjar Lamis, le gouverneur Amat Al-Khoudar Ali Fadil a échangé avec les corps soignants et les différents chefs des services déconcentrés de l'État sur les stratégies à adopter pour la réussite de cette campagne prévue du 3 au 12 du mois en cours. Le délégué provincial de la santé publique, Dr Al-Boussati Saleh Al-Lazam, explique que le COVID-19 existe sous forme de plusieurs variants. Il est donc nécessaire pour que chaque citoyen se fait vacciner, car le vaccin renforce le système immunitaire du corps afin d'atténuer le risque de contamination. Ainsi, le gouverneur Amat Al-Khoudar Ali Fadil invite la population de sa circonscription à se faire vacciner en vue de freiner la chaîne de contamination. Le premier magistrat de Hadjar Lamis instruit toutes les autorités de prêter main forte aux délégués sanitaires pour atteindre le taux de couverture vaccinale dans sa circonscription administrative. La 8e vice-présidente du Conseil national de transition, Paul Mboudjé Clémentine, a procédé au lancement de la Sénafed édition 2023 au Palais de la démocratie. Le thème retenu est la participation paritaire, impact et efficacité pour le développement. Grangue Tchamirima. La Sénafed 2023, couplée à la Journée internationale de la femme, c'est 7 jours de réflexion et des grands défis pour la femme tchadienne. Loin d'être des spectatrices ou des simples bénéficiaires du développement, ces 7 jours de rencontres, d'échanges et de formations permettront aux femmes du Conseil national de transition de prendre des grandes décisions et recommandations allant dans le sens de leur implication dans le processus du développement et la refondation de l'État. 33 ans après son instauration, la Sénafed continue d'être célébrée sur toute l'étendue du territoire et engrange des victoires en termes de décisions politiques,
qui se matérialise au quotidien par des responsabilisations des femmes et des lois pour la promotion des droits de la femme. En dépit des progrès accomplis, grâce à la volonté manifeste de nos autorités tchadiennes, réaliser un tel objectif reste un défi à relever. L'exemple à notre portée est la représentation des femmes ici au Conseil national de transition, 52 sur 197. Alors, femmes, agissons ensemble afin de relever les défis qui sont les nôtres. Le thème de la 33e édition Sénafête, Journée internationale de la femme, basée sur la participation paritaire, impact et efficacité pour le développement, est plus que jamais révélateur. Et les conseillères doivent apporter leur contribution pour le bien-être de la population en donnant une lecture objective de la société tchadienne et surtout développer des stratégies innovantes pour lutter contre les violences basées sur le genre. Les femmes tchadiennes savent que leurs voix sont portées dans l'hémicycle par leurs sœurs qui ont cette lourde responsabilité de leur ouvrir des autoroutes d'espoir. Par conséquent, elles doivent être proactives et répondre aux nombreuses attentes de leurs sœurs. Si la première conférencière, à savoir Amalker Djibril Souleyman, s'est focalisée sur le thème Agenda Femmes, Paix et Sécurité, en revanche, Zina Brahim Mahamad a abordé avec beaucoup de dextérité la deuxième problématique, inclusion et développement. Deux sous-thèmes qui ont permis de mieux cerner les efforts consentis par le gouvernement dans l'élaboration du plan national de développement en faveur de la femme urbaine avec un vocable particulier sur la femme rurale. Les différents secteurs d'activité génératrice de revenus n'ont pas été occultés par les femmes au cours de cette conférence débat qui marque la Semaine nationale de la femme tchadienne couplée à la Journée internationale de la femme édition 2023. Dans un communiqué, le secrétaire général du Conseil national de transition informe, mesdames et messieurs les conseillers nationaux, que l'atelier sur l'approche Une seule santé, prévu le vendredi 3 mars au Palais de la démocratie, siège du Conseil national de transition, est reporté à une date ultérieure. Le secrétaire général compte sur l'esprit de collaboration de mesdames et messieurs les conseillers nationaux. À la signature, le secrétaire général, Dr. Boyom Malo Adrien. Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2023, plusieurs activités sont organisées en N'Djamena. Une formation à l'intention des réfugiés et des survivantes des violences basées sur le genre et une opération de salubrité sont organisées. La mouture avec Zainab Mohamed Ouedou. La Maison nationale de la femme, la Semaine nationale de la femme tchadienne, est marquée par une formation à l'endroit des réfugiés et survivantes des violences basées sur le genre. Cette formation est axée sur l'entrepreneuriat et aux transformations de produits locaux, une manière d'aider cette couche à être autonome et indépendante. Pour la directrice de la Maison nationale de la femme, aucune femme ne pourra être libre tant qu'elle n'est pas autonome financièrement. C'est pourquoi, selon elle, l'entrepreneuriat est une opportunité pouvant conduire à son émancipation. Coup de balai au ministère de la fonction publique et du dialogue social. Les femmes de ce département au premier rang, la directrice des études de Wazina Afoni, sont sorties tôt ce matin pour rendre salubre la cour de leur département. Une activité qui intervient dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, occasion pour les cadres du ministère d'exprimer leur gratitude au ministre de tutelle pour cette initiative qui rend cet environnement propre. Au deuxième jour des activités de la 4e édition de la foire, les activités vont bon train à la Maison nationale de la femme. Notre reporter Fatima Matt a fait un tour ce matin, son reportage. Lancé officiellement par la ministre de l'Industrie du Commerce, Walendon Robertine, la foire organisée à l'occasion de la Semaine nationale de la femme prend son envol. Ce cadre, réservé aux activités de la femme pendant cette période, l'on peut noter des stands construits, peint et décoré à l'image du Tchad. Un tour ici nous permet de découvrir des divers produits fabriqués et transformés localement. Du miel pur, du beurre de karité et aussi des habits y sont exposés. Cette foire qui force l'admiration de la clientèle est aussi un cadre de brassage pour les femmes venues des divers horizons et unies pour la même cause. En dehors de l'aspect commercial, cette initiative a pour but de promouvoir la culture de la paix
de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Ce, en vue de contribuer au processus de développement socio-économique du pays. Toute une semaine, ces femmes avec plein de convictions vont présenter aux yeux du monde et proposer le fruit de leur savoir-faire. Pour la visibilité de cette foire, ces femmes méritent le soutien de tout un chacun en vue de leur permettre de développer leurs activités génératrices de revenus. S'est tenue cet après-midi une réunion stratégique de gestion et prévention des inondations au ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme en présence de tous les acteurs concernés. L'objectif est de se prévenir contre des éventuelles inondations. La rencontre de prise de contact est présidée par le ministre Mohamed Asselineau Khalat. Al-Hadj Mohamed Souleymane. Cette réunion stratégique de gestion et prévention des inondations a regroupé les représentants des ministères sectoriels, les partenaires au développement, le ministre en charge de l'aménagement du territoire, Mohamed Asselineau Khalat, et son collègue de la communication porte-parole du gouvernement, Aziz Mohamed Saleh, ainsi que la secrétaire d'État à la santé publique et à la prévention, Zainab Béchir Moussa. Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France, Bernard Kocheri, celui de l'Égypte, Oussama El Hadj, et l'ambassadeur de Qatar, Ali Al-Mohamed. Objectif, faire passer au scanner tous les facteurs d'inondation et trouver des pistes de solutions pendant la saison à venir. Cette rencontre a permis également aux participants de faire le bilan des activités des différents ministères concernés. Au cours de cette rencontre, les techniciens en la matière ont présenté à l'assistance à travers la projection d'un film les causes et les conséquences des inondations qu'a connues la ville de N'Djamena. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, les dispositions nécessaires pour faire face aux éventuelles inondations s'imposent. S'agissant du montant de 191 milliards, je voudrais aussi, comme l'a dit un des partenaires, que réellement nous ayons des priorisations sur les actions qui sont faites et proposées, tant de renforcement de berges, de construction de digues, de curage des caniveaux. Ça nous permettra de savoir qui doit faire quoi dans ces délais-là. Je crois que cette priorisation va beaucoup aider. Et cette priorisation va aussi sortir le gap, parce qu'on a un budget. Et ce qu'on ne peut pas prendre en compte, peut-être que c'est là où les partenaires aussi peuvent nous appuyer. Les représentants des partenaires au développement et ceux des ministères impliqués dans ce processus ont pris la parole tour à tour pour dévoiler leur stratégie dans le cadre de lutte contre les inondations. Notez que la prochaine réunion du comité stratégique de gestion et prévention des inondations est prévue pour le 16 mars prochain. Dans les différentes provinces, les gouverneurs ou leurs représentants ont lancé les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne, la mouture avec Ahmad Karasta. À Amdjaras, chef-lieu de la province de l'Enidi-Est, les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne sont officiellement lancées. Durant cette semaine, les femmes de la dite province vont valoriser et vendre les divers produits locaux, procéder à la formation et animer les conférences débats liées au thème central. La présidente du comité d'organisation de la Senafet de la province de l'Enidi-Est souligne que la femme joue un rôle non négligeable dans le processus de développement économique du pays. Pour le gouverneur de la province de l'Enidi-Est, Mohamed Abdelkrim Ali, la femme tchadienne est de nos jours au centre de la politique des plus hautes autorités. Amish Chemiré, chef-lieu du département de Keta dans la province du Bahr El Ghazal, les femmes ont échangé sur les sujets relatifs à la paix, à la justice, à la sécurité et à la réconciliation nationale. Le gouverneur de la province de Bahr El Ghazal, Loum Hinansou Lainan, a saisi l'opportunité pour inviter les femmes à jouer pleinement leur rôle afin de s'intégrer dans les instances de prise de décision tant prônées par le gouvernement de transition. Toujours dans le cadre de la Senafet, le gouverneur de la province de Hadjer Lamiz a présidé une réunion sur les dispositions prises pour le bon déroulement de la Semaine nationale de la femme tchadienne, édition 2023. Le premier magistrat de la province de Hadjer Lamiz, Ahmad Al-Khoudar Ali Fadil, sollicite l'implication de tous les responsables déconcentrés et surtout leurs contributions techniques pouvant permettre la réussite de l'événement. La ville de Bangor a vibré aussi au rythme de la Senafet. Elle est une occasion pour les femmes de s'exprimer et de discuter sur les conditions spécifiques de cette composante de la société.
Le préfet du département de Mayo-Bonney invite ses sœurs à faire preuve de maturité, de dynamisme et surtout de responsabilité afin de léguer à la future génération un Tchad uni et prospère où il fait bon vivre. Une occasion que le public a saisie pour visiter les différentes expositions réalisées par les femmes de la localité. Les femmes de Faya, chef-lieu de la province du Borku, se sont associées à leurs sœurs pour donner un cachet particulier à la Sénafête. Le secrétaire général de la dite province, Hamid Hassan Elimi, s'est dit satisfait de l'engagement des femmes qui s'est donné pour débattre longuement des sujets relatifs à leurs conditions de vie et aussi à leur épanouissement. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, est considérée comme la capitale du cinéma africain. Cette considération n'est pas fortuite car plusieurs efforts et réalisations dans ce cadre de la proposition du 7e art africain est visible. Innocent Clayou. Considérée comme capitale du cinéma africain, Ouagadougou, la grande cité du Burkina Faso, mérite bien cette considération. Il suffit juste de parcourir la ville pour se mettre en évidence. Ouagadougou compte plus de 9 salles de cinéma et de projection de films. En plus de ces salles de cinéma et du siège de FESPACO, une place est réservée aux cinéastes. Elle s'appelle le rond-point des cinéastes. Ici se dresse majestueusement le statut des hommes qui ont marqué le cinéma africain depuis 1970 à 1997. Je suis venu regarder l'ensemble des cinéastes qui ont été immortalisés par les FESPACO. Plus particulièrement Souleymane Cissé, qui est réalisateur de mon pays et qui a fait des films qui ont bercé notre enfance en fait, qui avait pour nous un élément déclencheur, hein, qui a fait des films dans l'enfance qui nous a inspirés. Cet espace réservé pour immortaliser les hommes du 7e art est un endroit de référence pour les jeunes aspirants au cinéma et le public. Nous sommes au sein de Place des cinéastes, à côté d'un monument. Un vrai réalisateur, quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la culture burkinabé et néanmoins pour le cinéma africain. Parmi les monuments des grandes figures du cinéma africain, il y a les plus célèbres, comme celle de Sembène Ousmane et d'Idrissa Ouédraogo. Sembène Ousmane est le premier cinéaste qui a obtenu l'étalon de Yenenga en 1970. La Fédération camerounaise des sports équestres a organisé le week-end dernier à l'hippodrome du stade Lamido Yaya Dairou de Maroua le Grand Prix international du Cameroun. Cette compétition qui a réuni 59 chevaux, juments, poulains et pouliches des écuries venues du Tchad, du Nigeria et du Cameroun, pays hôte, est dominée par les trotteurs du Tchad. Katnou Batiofi. Ce Grand Prix international du Cameroun est marqué par la participation de 59 chevaux, juments, poulains et pouliches venus du Nigeria, du Tchad et du Cameroun. La première course longue de 1400 mètres est réservée à 15 trotteurs de la catégorie néant. Cette course est dominée par Prestige de l'écurie HML du Cameroun, suivi de la jument Actalat d'Ahmed Abakar Adib. 15 autres chevaux de la catégorie 4 ayant gagné moins de 60 points se sont alignés au départ de la deuxième course. Cette course longue également de 1400 mètres est enlevée par la jument Sodia de la même écurie HML, talonnée par Sarouk Al-Watan d'Ahmed Abakar Adib. La troisième course a réuni 12 chevaux et juments ayant gagné plus de 60 points et moins de 180 points. Cette course longue de 1600 mètres a vu le triomphe de Double Espresso, le trotteur d'Idriss Ahmed Idriss, qui devance à l'arrivée Mélodie de l'écurie Bello Ba. 9 chevaux et juments de la catégorie semi-lourde appelée Gargachi ont pris le départ de la quatrième course, distance de 1600 mètres. Au finish, c'est le cheval d'Idriss Ahmed Idriss, Café Crème, qui s'impose devant le trotteur d'Artir Amir Derip Lamana. 8 chevaux et juments de la catégorie Gargache se sont alignés au départ de la cinquième et dernière course longue de 1800 mètres. À l'arrivée de cette course d'une valeur d'1 million de francs CFA, c'est la jument d'Idriss Ahmed Idriss Batoul qui permet à son jockey Idriss Tailleur de brandir le plus grand trophée devant nos excuses de l'écurie Souleymane Pantani.
occasion pour les organisateurs de saluer les efforts de l'Association pour l'encouragement et l'amélioration des races des chevaux au Tchad, l'ARCT. Je le disais, c'est une cet après-midi une réunion stratégique de gestion et prévention des inondations au ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, en présence de tous les acteurs concernés. Après la rencontre de prise de contact, le ministre de l'Aménagement, Mohamed Assélé Kalata, s'est prononcé sur ce sujet. Suivez. Qui sont inclus dans ce comité stratégique de gestion et prévention des inondations. Et les partenaires, les différents partenaires qui ont aidé à travailler ensemble. Cette fois-ci, nous nous sommes réunis pour, je parle d'aujourd'hui, nous sommes réunis pour échanger. Nous avons fait un bilan de toutes les activités ministère par ministère. Et déjà les trois ministères clés, celui de l'aménagement du territoire, celui de la santé et celui du genre et de la solidarité, celui de l'hydraulique et assainissement. Nous avons vu ensemble tous les bilans et il s'agit maintenant d'harmoniser tous ces bilans-là pour qu'à la prochaine réunion, nous puissions maintenant faire des propositions. Tout cela pour anticiper par rapport à la saison de pluie à venir. Ces actions retiennent l'attention du président de la République, chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement de transition, qui chaque jour nous rappelle. Si l'année dernière nous avons été surpris par ce qui s'est passé, cette fois-ci nous avons une échelle d'avance pour pouvoir circonscrire les problèmes qui vont sûrement s'imposer avec nous par ces dérèglements climatiques qui ne sont pas essentiels qu'au Tchad, hein, qui sont de par le monde un vrai problème et que tous les gouvernements le prennent au sérieux. Ceci étant dit, il faudrait que nos populations comprennent que nous sommes aussi soucieux de leur devenir. Nous allons entreprendre des actions dans les jours à venir qui vont aller dans le sens de pouvoir les prémunir et essayer de trouver des solutions pour ce cas d'inondation. Donc. À suivre juste après ce journal, le JT de la Sénafête depuis la ville de Sa. Ainsi donc, c'est le fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir.